Coucou toi, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. C'est la Beauty Food Box du mois de mai. J'avais pris mai, oui. Qui se présente donc comme ceci. C'est une très belle box. Alors si les couleurs changent, c'est normal. C'est parce que mes volets s'ouvrent, se ferment à cause d'un petit vent. Donc voilà, excusez-moi pour la luminosité, mais j'ai pas trouvé mieux. Voici, donc du coup elle se présente comme ceci. Je la trouve très cocooning, très belle, j'aime beaucoup. Du coup elle se présente comme à son habitude, comme ceci. Et là cette fois-ci sur le petit flyers, vous avez le produit qui se voit, alors que le mois d'avant c'était un petit peu flouté. Donc là pour le mois de juin, je vais recevoir un soin de jour, apparemment. Je pense que ça doit être une crème de jour, un truc comme ça. Comme vous pouvez le voir ici. Oui, c'est ça que je vais recevoir comme cadeau d'une valeur de 17,90 €. À son habitude, du coup, après, on retrouve donc tous les produits ainsi que le jeu de cartes avec un petit élastique. Donc elle se présente comme ceci, avec des petites couleurs vertes. En premier lieu, nous avons une poudre effervescente qui se présente donc comme ceci. Ça prend 5 minutes, je sais pas trop. De la marque Cocktail de beauté, c'est un 50 grammes sauna facial, ouais c'est ça. Ou alors c'est de la marque Jin Tizin, je sais pas du tout. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux. Poudre effervescente 2 en 1, Jin Fizin, sauna facial ou bien de pied, face. FG Cosmétique. Alors apparemment ça doit. Alors je sais pas si c'est FG Cosmétique la marque ou si c'est Cocktail de beauté. Aucune idée. Là par contre pour le coup je suis désolée, j'en ai complètement aucune idée. Du coup le prix de ce produit coûte 12,90 €. C'est un produit respectueux des animaux. Là ils me mettent. Et d'habitude. Oui bah non, bah, je sais pas pourquoi je dis ça. Parce que de toute façon d'habitude c'est marqué aussi. Ouais, je sais pas. Alors du coup, je vais quand même lire un peu le conseil parce que comme je connais pas, ça a l'air ouvert en plus, hein. Oh. Et en plus, le produit était à moitié ouvert. Oh là là, ça aurait pu, hein, va falloir que faire attention. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, conseil d'utilisation. Après avoir allumé votre bougie, alors là, c'est débile, je sais pas pourquoi ils nous disent pas. Bref, en sauna facial, dans un récipient contenant 1 litre d'eau chaude, on verse une cuillère à café de poudre et après on place notre visage au-dessus et on profite de la bienheureuse vapeur. Apparemment, pour le visage, c'est la vapeur, il ne faut pas mettre le produit sur le visage, il faut juste avoir la vapeur qui viennent sur notre visage. Bon, c'est chelou, hein. Bref. Et par contre, on peut l'utiliser donc en bain de pied. Et là, dans un bassin contenant 1 litre d'eau chaude, on peut verser 2 cuillères à café de poudre. Et là, par contre, on peut immerger nos pieds pendant 15 minutes pour pouvoir nous relaxer profondément, ils nous disent. Donc, oui. Bah écoutez, c'est pas mal, moi je trouve. Ouais, je sais pas si ça me donnerait envie de tester. Au pire, je vais quand même tester. Ça me permettra de tester quand même. Je pense que j'ai. Après, je vais peut-être l'ouvrir parce que comme c'était ouvert, je vais regarder si, admettons, il aurait été protégé. Parce qu'il était. Non. Ouf, ça sent le citron, my god. Bah oui, citron pétillant. Shampoing, fraîcheur estivale. Alors, de la marque Ocelia, apparemment, coiffure et beauté. C'est un 150 ml qui se présente donc comme ceci, qui est très joli. J'aime beaucoup le packaging du produit. Je trouve ça super sympa avec le vert, le rose, le blanc. Je trouve ça très 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 joli. Ça met de l'éveil. Du coup, là, c'est un produit qui coûte 20 euros. Bah, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, écoutez, 20 euros. Là, avec juste ces deux produits-là, on l'a pratiquement
payer la box avec juste deux produits, donc ça c'est cool. Du coup, alors après votre sauna facial ou votre bain de pied, sur cheveux mouillés, appliquez une noix de hin, massez votre cuir chevelu en douceur, puis après on rince bien évidemment. Donc je sais pas si c'est ouvert. Oh, ça sent bizarre. J'ai l'impression que ça sent le pamplemousse avec, je sais pas. Est-ce qu'il y a marqué? Est-ce qu'il y aurait marqué s'il y a du pamplemousse? Citrus, fruits extra, tranquille. Ouais, non, il marque pas s'il y a des pamplemousses parce que ça sent vachement le pamplemousse, moi je trouve. Donc, ouais, j'ai eu l'impression que ça sentait un petit peu le pamplemousse. Bah écoutez, bah moi je suis contente, ça me fait un shampoing en plus. Hein. Un masque cocooning, réparateur démêlant et Epurevia de la marque, apparemment ça serait de la marque Biofidem. Tsenze 1883, ingrédients naturels, donc c'est enrichi en beurre de karité et c'est un 150 ml aussi, donc c'est un grand format. Moi je suis très contente, donc ça me fait un autre masque, un nouveau masque pour les cheveux, sachant que j'en ai un, mais je pense que voilà, il va bientôt terminer aussi, donc voilà. Donc c'est plutôt cool, ça me fera une belle petite routine. Pour les cheveux, donc la valeur du produit c'est 30 euros. 30 euros le produit, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa. En plus, c'est un grand format. Alors là, apparemment, sur celui-ci, il faut juste le laisser agir 3 minutes. C'est quand même bizarre, mais bon. Il faut mettre une noisette de masque, chauffer la matière entre les mains. Après, on l'applique sur les rondes, sur les longueurs et sur les pointes. Voilà, et après on laisse agir 3 minutes. Mais moi j'ai tendance à laisser au moins entre 5 et 10 minutes parce que moi j'ai les cheveux très épais, qui ont besoin d'être nourris. Donc pourquoi pas tester quand même au moins une fois ou deux à 3 minutes. Et si je vois que ça fait pas effet, 5 minutes. Franchement, je vais sentir un petit peu aussi. Je sais pas si je peux sentir. Il n'y a pas d'odeur particulière, voilà, cette fois, je trouve. Ouais, d'habitude, on sent une odeur. Là, il n'y a pas de trop forte odeur. Donc, nous avons une huile végétale de thé blanc de la marque Make Ape Beauty. Attendez, je vais redire parce que je crois que vous n'avez rien compris. Alors, Make It Beauty. Voilà, c'est mieux. D'une valeur de 10,50 €. Et c'est un 16 ml. Alors, donc qui se présente comme ceci, parce que si je vous fais même pas montrer le produit, je vais peut-être pas le faire. Bah, ouais. Alors. Là, ça nous met quoi? Conseil d'utilisation. Après votre routine cheveux, prélevez une goutte d'huile, chauffez-la entre vos mains, puis appliquez-la sur votre visage en massage doux comme un sérum. Et il marque astuce. L'huile de thé blanc s'utilise également en tant que démaquillant, contour des yeux, soin capillaire ou encore soin des ongles. Quand on vous parle de couteau suisse. Donc en gros, on peut l'utiliser comme sérum ou alors on peut l'utiliser soit pour se démaquiller, soit pour pouvoir prendre soin de nos ticitules. Putain, j'arrive jamais à le dire, hein, les ongles, bref, voilà. Soit prendre soin de nos ongles, soit même pour les cheveux. Il fait tout en un, donc ça c'est plutôt cool. Bon, après, c'est une petite bouteille. Alors, je pense pas que j'utiliserai pour à chaque fois faire le visage, les cheveux et les ongles et tout. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Ça me donne envie de tester. Je vais sentir un peu l'odeur. C'est sous forme de pompe.
Comme vous pouvez le voir, oula, c'est liquide. C'est vraiment sous forme de pompe, hein. Je vais en mettre légèrement sur la main, parce que j'ai pas l'impression de sentir grand-chose. Voyez, j'en ai légèrement mis, ça fait un effet huilé, hein. De toute façon, c'est une huile, hein. Alors, il n'y a pas d'odeur pour ça. J'ai eu un anti-cerne. Alors, ne criez pas. Moi aussi, je crois que je deviens folle avec ça. Alors, il se présente comme ceci. Je vais vous le faire montrer d'un peu plus près. Donc, anti-cerne spécial agent de la marque Uoga. Ce produit coûte 11,95 €. Donc, bien évidemment, pour un effet naturel, on l'applique. Une fine couche d'anti-cerne, puis on tapote avec les doigts ou alors avec le blender si on veut, hein, c'est pas obligé. Le produit pour un rendu parfait et longue durée. Déposer ensuite un petit peu de poudre libre ou une poudre compacte, hein, ça peut tout aussi bien marcher. Alors vous allez rigoler. Pourtant, j'ai fait le truc pour dire que je suis claire ou autre. Mais je crois qu'ils se sont gourés. Voici le produit en question. Là, vous le voyez vachement clair, entre guillemets, mais moi, je le vois très, très marron. En plus, c'est là. Il n'y a pas de teinte là? Il y a juste marqué 22,02, 20, 21 et après 11. Est-ce que ça va être sur les... Ah voilà. Spécial agent 06 Natural Concealer. Alors, voici pour vous. Alors, je vais le faire devant vous, mais à mon avis, c'est même pas la peine. Alors, déjà, c'est une brosse tout à fait standard, comme tout autre anti-cerne. Et à mon avis, on va rigoler avec la couleur. Je vous laisse regarder. Je comprends pas. Non, franchement. Je les comprends, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Même en estompant, hein. Je vais estomper quand même. Oh. Ça fait un effet bronzé ou autre. Oui. Et il reste une couche un peu de... Voilà. Alors, je vais juste remettre un swatch à côté pour que vous voyez la différence. Hop, voilà. Hein. Couleur simple, normale, sans avoir touché. Et couleur après avoir estompé. Alors, je ne sais pas si la lumière va m'aider hein, par rapport à ça. Alors, j'ai l'impression que ça s'est fondu. Mais quand on regarde, on voit quand même que c'est marron. Hein, je pense que... Je sais même pas si ça a des petits sous-tons un petit peu orange parce que si c'est pas le cas, je pourrais m'en servir en tant que bronzer ou autre. Pour finir, j'ai reçu une bougie végétale fleur de coton, donc c'est à la fleur de coton, hein, de la Beautiful Box, qui est donc mon cadeau de ce mois-ci. C'est le produit coûte 6,90 €. Ouais, franchement, j'aime pas trop l'odeur. Donc il se présente comme ceci. C'est vraiment tout petit, tout mignon. Sincèrement, c'est vraiment mignon, mignon, hein. Là, c'est tout, oui, c'est tout pour cette box de ce mois-ci. J'espère que vous aurez bien vu les produits, que j'ai pas trop bafouillé, même si je le sais déjà d'avance, parce qu'aujourd'hui, je suis un petit peu malade. Donc, j'ai quand même voulu filmer pour pouvoir la monter. Grand max aujourd'hui, demain, et comme ça, dimanche, vous l'aurez, parce que aussi, bien évidemment, dimanche d'avant, il n'y a pas eu de vidéo, parce que j'étais pas là, j'étais pas chez moi, en fait, et j'étais ni chez quelqu'un, en fait, je me suis baladée et tout, et du coup, quand je suis rentrée, il était beaucoup trop tard, parce que le temps de la mettre... et tout, j'aurais pas eu le temps après de faire la barre d'infos et tout. Et après, là, cette semaine, j'ai été en stage et tout. Et puis, bah là, je suis tombée malade. Donc, ce qui fait que voilà. Donc, c'est pas grave. La vidéo que j'avais prévue pour le dimanche d'avant sera pour le dimanche d'après cette box-là.
Il n'y a pas d'inquiétude, c'était pas une vidéo hyper importante non plus. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, elle sera prévue pour le dimanche d'après. Donc j'espère que vous accepterez mes excuses. Sur ce, la vidéo va durer 36 000 ans si ça continue. J'espère que cette vidéo donc, vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner ou de rester abonné pour ceux qui sont déjà abonnés. Activez aussi la petite cloche juste à côté pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et de mettre petit commentaire et petit pouce en l'air pour dire que vous êtes là ou du moins pour me dire que vous aimez bien. Et comme ça, ça nous permettra de chatter un petit peu. Voilà, c'est tout je crois. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye!